Assembly pieces up back together now. What's your vision? Elle est de couleur noire et vraiment elle est très design. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter donc une souris verticale ergonomique. Pourquoi cette souris verticale ergonomique de chez Jellycomb? On peut donc la trouver chez Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Déjà par son prix, en dessous d'une vingtaine d'euros. Et en plus, cette souris verticale va donner beaucoup de plaisir sur la navigation. Elle est compatible Windows 7, 8, Windows 10 et macOS. Elle est entièrement transportable avec son propre nano récepteur, un taux de DPI, DPI ou PPP, points par pouce. Cette souris peut être dédiée aux personnes ayant une TMS, TMS, trouble musculo-squelettique des membres supérieurs. Vous allez voir que cette souris est très ergonomique, comme son nom l'indique. C'est une souris donc très silencieuse. Elle comporte 6 boutons et vous allez voir qu'en termes de navigation, en termes de prise en main, elle est vraiment très très pratique. A tout de suite pour l'unboxing. Merci à vous. Voilà, donc au niveau du carton, on voit un dessin de la souris. On va tout de suite donc défaire la souris de son carton. Alors, à l'intérieur, on trouve une notice toute classique et on retrouve donc la souris dans un papier bulle. Voilà, donc je vous mets ici la souris verticale, comme vous pouvez voir, une souris très ergonomique. Avec un renfoncement ici lorsqu'on la prend pour le pouce. Alors je vous présente aussi cette souris car les utilisateurs de Zoomtex pourront l'utiliser sans problème avec beaucoup d'aisance. On l'a donc très bien en main. Ici, vous pouvez voir que la souris s'accorde parfaitement bien au niveau des différents boutons. Lorsque j'appuie sur les boutons clic droit, clic gauche, cette souris est très silencieuse. Ici, j'appuie sur la roulette. Juste au-dessus de la roulette, on a un bouton pour régler le DPI, ce que je vous parlais en début de vidéo, le PPP en français, donc le point par pouce, c'est ce qui va permettre la rapidité de déplacement de notre curseur souris. On va passer de 800 à 1200 jusqu'à 1600, ce qui veut dire que lorsqu'on va le mettre à 1600, le moindre geste exécuté, ce qui permettra à une personne au niveau du déplacement de sa souris de faire le moins de mouvements possible et d'atteindre d'un côté et de l'autre l'écran avec le moins de mouvements possible. Voilà ce qu'est le DPI ou le PPP. C'est le déplacement de la souris par rapport au curseur. Donc voilà comment est faite la souris. Je vous la mets en très gros sur l'écran. Vous puissiez la voir. Et comme vous voyez, elle est très très ergonomique, la main rentre parfaitement dessus. Alors, elle n'est pas livrée avec la pile, c'est une pile AA. On a dessous un petit bouton marche arrêt. J'ai donc mis une pile, une fois notre pile AA glissée à l'intérieur. Ce que je trouve vraiment formidable, c'est que on a le nano récepteur ici, je vous le montre de très très près. On peut voir que le nano récepteur se trouve juste à côté de la pile. Je vous le montre ici. Alors, qu'est-ce que le nano récepteur? Le dongle, c'est ce qui va permettre la réception sans fil de la souris, puisque c'est une souris sans fil. Et lorsque vous allez brancher ce connecteur à votre Mac ou votre PC, la souris va instantanément démarrer, sans problème. C'est pour cela que je vous disais qu'elle était entièrement transportable, parce que lorsque vous partez, vous remettez à l'intérieur le nano récepteur, vous refermez votre souris,
Une fois votre souris refermée, votre nanorécepteur est à l'abri et votre souris est utilisable n'importe où. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir sans problème vous déplacer de chez vous à votre lieu de travail avec votre souris ergonomique verticale. Alors, comme je vous disais, donc on a les deux clics de souris, le clic de la roulette, le bouton pour régler le DPI, deux boutons ici ergonomiques aussi que l'on rencontre sous le pouce. On va tout de suite la connecter et voir la réactivité de cette souris. Voilà, donc on insère tout de suite notre nanorécepteur dans le port USB. On part tout de suite sous la souris activer l'interrupteur. Une petite lumière rouge s'affiche. La prise en main de la souris est très rapide. On n'a strictement rien à faire et on voit que notre souris est déjà connectée. Voilà pour la présentation de cette petite souris verticale ergonomique. Je me la suis prise donc pour faire mes montages vidéo. Elle est très réactive. On l'a très bien en main, très silencieuse, qui permet de maîtriser parfaitement n'importe quel environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !